avec de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, mon invité, c'est un éducateur. Et je te dis, c'est pas Pascal le grand frère, mais plutôt Koumbi le grand frère. Alors Koumbi, comment va Ça va, tranquille et toi Grini, 91-350. Ouais, bah oui. Ah, hein, représente on Représente, c'est un grand mot. Mais ouais, on est là. On est tous bon. ensemble. Donc vas-y, aujourd'hui, tu vas te, pr te présenter. Tu es éducateur de Grigny, dis-nous ton parcours. Bah, moi, c'est Combi, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, comme tu as dit, je suis un éducateur. Euh, mon parcours, bah, je suis un jeune du quartier, j'ai connu la délinquance, et les hauts, les bas. Je me suis marié tôt, trois enfants. Et euh, ouais, toute ma vie, j'étais à l'usine et tout. j'ai passé un BP être dans la voie sportive et... et là le côté social il est ressorti mais ressorti d'où oui. l'éducateur est né et c'est quoi ton rôle d'éducateur est ce que c'est genre euh, comme pascal le grand frère tu vas rêver les jeunes non. tu vas chez les gens tu te dis ouais madame votre fils là il, il est pas bien hein Faut, <laughs> Faut que je le mettre sur les morailles non c'est même pas ça c'est on, on voit on voit les, les plus jeunes qui grandissent qui prennent un chemin plus ou moins bien on essaie de, de les conseiller, d'avoir la bonne parole. Après, euh, on peut pas sauver tout le monde, mais on essaie de sauver un maximum de, de personnes. Et comment tu, comment tu veux les sauver C'est comment tu les sauves, d'après toi. Comment tu vas leur les emmener sur la bonne voie bah Déjà en échangeant beaucoup avec eux. Les, les jeunes, aujourd'hui, faut pas leur parler comme, euh, comme un sac, de, sac à merde ou je ne sais quoi. Il faut échanger avec eux, il faut apprendre à les connaître voir ce qu'ils veulent faire et essayer de les orienter. Et comment tu leur communiques tes valeurs genre euh, les valeurs que tu, que tu veux mettre en euh, top, en avant Ouais. Bah déjà je leur, je leur dis que c'est n'est pas le plus gros caïd de la cité qui, qui va être le plus respecté. Le plus respecté c'est la personne qui respecte déjà. Genre parle un peu de religion. Mmh. Et après il y a ces multi il y a des gens, ils sont. Moi, je suis musulman. Il y a des gens, ils ne sont pas musulmans, mais qui comprennent. Euh... Les principes sont les mêmes. Ouais, voilà. Les, les principes sont voilà, les mêmes. Les... Respecter son prochain. Ouais, voilà, c'est ça. Aimer son prochain. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et euh, une petite question que je me pose, c'est co comment, comment tu vas gérer Tu vois, euh, tu vas amener un jeune à un entretien où tu vas lui trouver du taf, mais euh, ce jeune, soit il va s'absenter. Soit il va avoir un, un comportement qui n'est pas approprié, tu vois, parce que des fois, des fois, les jeunes ils sont, on va dire, ils vivent dans, dans leur monde, mmh, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont parler dans un entretien d'embauche comme s'ils parlaient à leur pote en bas du hall. Ouais, j'ai compris ce que tu as dit. Comment tu gères ce genre de situation Bah, déjà par rapport au comportement, ça, 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 ça se prépare en amont, je pense. Mmh. C'est selon le jeune que tu ramènes, de toute façon, tu les connais. Après, moi, j'ai un exemple concret. J'ai un, un jeune, il a 19 ans. Je l'ai eu enchanté euh, cet été. Mmh. Je le connaissais plus ou moins bien parce que c'était un groupe de 18-19 ans. Il m'a fait part de son rêve qui était d'être cuisinier. Il a eu son diplôme en cuisine, mais il ne voulait plus, euh... ne voulait plus approfondir avec l'école. Il voulait aller sur le terrain directement. Je lui ai Ouais, oh, c'est bien tout ça, mais ce serait bien d'aller à l'école, tout ça. Peu après, ben là, là, ça fait un mois, c'est-à-dire il y a 4-5 cinq, cinq mois qui sont passés. J'ai contacté euh, un, le petit frère, un ami à moi, qui est chef cu cuisinier mm -hmm. pour lui proposer euh, les services de, de ce jeune. Lui m'a orienté vers son formateur qui avait un plus gros restaurant. Ce, ce formateur m'a donné un entretien avec le petit. Je suis parti. Grande cuisine de Paris. On a tout visité. Même moi, je jamais vu. T'avais t'avais les yeux qui brillaient. Ouais, voilà, franchement. Moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce que lui, je l'ai ramené ici Pourquoi pas moi Tu vois Ouais. Et je me suis dit, ah, le petit-là, il va être bien au max. C'est-à-dire que l'entretien se passe bien. Il se passe bien. Il lui dit, tu commences dans deux semaines. C'est-à-dire, dans deux semaines, ton rêve, il commence. Le petit, à la fin, je lui dis, tu es content de ça Il me dit, mais de fou, tout ça. Voilà, combi bien vu, tout ça. Tu sais pas ce que tu as fait et tout moi, je suis content, je n'attends pas de récompense. C'est pour lui. Je vois qu'il va sortir du quartier, il va voir autre chose, il va aller à Paris tous les matins. Il va travailler, il va dans la vie active, en fait. Et euh, en fait, c'est pas pointé euh, au travail. c'est pas pointé. Je le revois toujours en bas du, au quartier de ça. Je lui dis, mais t'es pas allé, en fait Il me dit non, je ne suis pas allé. Je lui dis pourquoi Les raisons, elles sont toujours bidonnes. Hein. Ouais, là je me consacre sur le permis. Comme ça, après je pars en voiture. Mais tu vois, ça, c'est des projets à long terme. Pas... Ouais. Là, on te parle d'un truc tout de suite. ça veut dire moi, je ne suis pas là pour lui, pour lui casser les couilles, on va dire, entre guillemets. Mais je lui casse quand même les couilles parce que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Là, déjà, il m'a grillé. Il m'a C'est-à-dire, si un autre jeune, il a ce rêve-là, moi, je ne peux pas l'appeler lui, tu vois. Même si je pense qu'il va passer au-dessus de ça. Je lui ai donné le numéro du, de fo du formateur. Je lui dis dit, hey, tu as vu, maintenant, tu as fait un truc d'enfant. Là, tu vas répondre à un truc d'adulte. Tu vas l'appeler, tu vas t'excuser, tu vas lui dire pourquoi tu n'es pas venu et tu vas essayer de rattraper euh, le coup, même si tu sais que tu vas te faire recaler. Et euh, bah, il a mis du temps, hein. il a mis trois semaines pour l'appeler. Au, ouais, au, au final, c'est bah, faire fait recaler. au final, il pensait qu'il allait se faire créer de ça, alors qu'il ne se connaissait même pas réellement. Tu vois, il est toujours dans ce cursus d'école. Je lui dis voilà, tu t'es excusé. Il t'a dit, vas-y, c'est pas grave. Lui, c'était plus un service pour toi, tu as vu. Mm -hmm. Tu as touché ton rêve. Et en fait, tu préfères, tu préfères rester ici. Parce qu'en réalité, tu as peur. Tu as peur de partir. Tu as peur de quitter le quartier. Tu as peur de quitter tes potes. Mais toi, tes, tes, tes amis, quand le, leur rêve va venir, eux, ils ont pas peur de t'abandonner. Ils vont t'abandonner. Parce qu'il faut qu'ils avancent dans leur vie. Et toi aussi, il faut que tu apprennes à avancer dans ta vie. Tu vois Après, tu... tu... Tu peux avancer qu'avec des gens qui ont envie. As, si tu, tu ramasses un jeune qui Mais a... tu, tu, tu. Quand même, tu vas te battre, que tu te bats pour te battre pour ces jeunes-là. ou ouais, S'il ouais, y en bah a y... un qui ne fait pas d'effort, bah tu dis bon mon ami, je te mets sur le côté, il y en a plein d'autres qui attendent, qu attendent à côté. Non, ou tu on, vas te battre pour cet enfant. On, où... on fait mine d'être euh, déçu. Pour que lui-même il soit mal à l'aise, mais jamais je vais le laisser. J'attends l'année passée tout. Après, je, je vais voir un peu euh, ce qu'il dit. C'est quelqu'un... Sur qui j'ai l'œil, donc euh, tranquille. Et une petite question là, parce que éducateur qui dit éducateur, dit, euh, dit des relations avec euh, les administrations et notamment avec la police. Mmh. Est-ce que bah est-ce que vous collaborez avec la police, sans pour autant dire que vous êtes des indiques. Il n'y a pas y a pas l'histoire de Foucault d'indiques et compagnie. C'est comment en tant que, en tant que jeune, tu vois, on sait très bien que on a eu nos différents avec la police, des fois à tort, des fois à raison. Ouais. On va dire que des fois, euh, en fait, moi, je dis toujours, euh, toujours que la police sont le reflet des jeunes de banlieue. Mmh. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut dire la vérité, la police nous agresse. Mmh. Et, de temps en... Et souvent, les jeunes agressent la police. Ah, il faut sûr. dire la vérité. Bien sûr, faut ça a deux sens. Et, euh, Comment maintenant, aujourd'hui, euh, peut-être que tu as mûri, peut-être que tu as grandi, tu te dis, ouais, bon, maintenant, il va falloir collaborer avec ces gens-là pour essayer que que les choses euh, ça, non, ça moi, pèse, quoi. » Moi, perso, mon rapport avec la police, moi, moi, en tout cas, dans mon métier, je ne collabore, je collabore pas avec eux. C'est-à-dire que je ne peux pas collaborer avec des, des gens qui, qui font la guerre avec des petites 15 ans, tu vois. Mais, mais euh, es, après, ça, c'est un autre sujet. La police, les jeunes, c'est compliqué. Mais par exemple. Oui, mais vous êtes l'intermédiaire. Oui, l'intermédiaire. Par exemple, aujourd'hui, y a, y a il y a des forums qui se font jeunes vois. Ça s'installe petit à petit. Mais les jeunes, ils, ils, ils ont du mal à accepter ça. Et même la police, ils ont du mal à accepter ça. Parce que, ça, ouais, je vais bien croire ça. Parce que quand il y a des forums comme ça, tu vois pas beaucoup de policiers, tu ne vois pas beaucoup de jeunes. J'en ai déjà parlé avec des amis à moi qui me disent T'es dingue, toi. Comment tu, tu vas parler avec la police, tout ça Mais. En fait, moi j'ai envie de j'ai envie de dire à tout le monde c'est pas peut-être aujourd'hui que ça va s'améliorer, mais si on commence aujourd'hui à faire des forums comme ça où ils puissent se parler, peut-être dans 20 ans ce sera pas pareil. Mais si on fait rien, on attend comme ça, dans 20 ans ce sera sûrement pire. Donc on n'a rien à perdre. Tentons la chose, tu vois. C'est vrai. Et euh, tu m'avais dit euh, euh, en off que tu prenais des jeunes et que tu les emmenais dans des endroits pour les faire sortir du euh sortir du ghetto français, c'est-à-dire mm. aller dans des stand-up, aller euh, voir euh, aller dans des musées ou leur, leur faire découvrir des choses qu'ils qu ne découvriront jamais en fait en restant dans le quartier. En fait moi je travaille sur Aubervilliers, mon siège est là-bas, et je suis sur un projet qui s'appelle demain 10h. En fait, nous le principe c'est euh, par exemple il y a un quartier qui est un quartier, on vient le soir, on déambule de, de 20h à minuit. En bas où les jeunes y traînent, avec les métiers du jour. C'est-à-dire avec des avocats, un magistrat, les maires, le préfet, un instituteur, pour échanger avec les jeunes. On échange avec eux, on échange avec eux, on échange avec eux. Ils disent, le, la plupart du temps, c'est bien ce que vous faites, mais demain, quand on va se lever, il y a quoi pour nous Et nous, c'est pour ça qu'on appelait ça le projet demain à 10h. Nous, on vient, on parle avec eux le, le soir. Le lendemain, on leur propose de vivre des espérances. D'accord. Des espérances, c'est juste pour, pour qu'ils sortent de leur zone de confort, qu'ils sortent du quartier, qu'ils voient ce qui se passe au autour. Et après, on, on, on fait un accompagnement. Mais tu as vu, on n'est pas, à... on pas la mission locale, on n'est pas Pôle emploi. On est là juste pour les redynamiser, pour qu'ils aient envie de vouloir faire quelque chose. Tu penses que les jeunes, ont... ils ont peur de l'extérieur Les jeunes aujourd'hui, ouais, ont... en tout cas, ils ont plus peur qu'avant. Que c'est-à-dire qu'en en fait, euh, ils ont besoin des gens comme vous pour, leur pour, leur fa pour les faire sortir du, euh, du ghetto. C'est pas, ils ont besoin de nous, mais euh, en fait, quand tu sors avec eux, tu vois qu'ils connaissent rien à part, euh, à part leur quartier. Et en fait, euh, c'est dommage hein, parce qu'ils sont là, ils se battent pour, euh, pour une ville, on va dire, ou un quartier. Mais en réalité, tout ça, c'est que des cases. L'État, ils, ils nous ont tous mis dans des cases. En fait, on est tous les mêmes. Mais on est là, on défend une rue. Qui va rien faire pour nous en fait et c'est dommage parce que ça généralement on le comprend à 25 26 27 des fois il est ouais. trop tard des fois ouais, des fois il est trop tard des fois il y, fois, y a même... des morts voilà des fois il y a des morts des, des il... fois il y a des gens en prison c'est ça mais euh, pour, pour rebondir sur ce truc de cité tu sais en 2020 en, en 2020 il y a eu 91 risques tu vois mmh. Et euh, ça, c'est euh, euh, largement plus qu'en 2019, où il n'y en a eu que, euh, que 50, euh, 56 en Essonne. Là, je te parle en, en, Essonne. en Essonne. Maintenant, là, tu vois que la, la violence, elle a, euh, elle, a augmenté. elle a augmenté. Et j'aurais savoir, selon toi, quelles sont les solutions tu vois, Toi, tu es sur le terrain, tu as un éducateur. Comment tu vas dire à tes, à tes petits frères, « Ouais, euh, faut pas se taper, regarde, ça se trouve que dans le quartier qui est à côté, c'est ton cousin ». Ta mère, elle connaît la mère de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Bah, déjà, tout ça, c'est de la faute des réseaux sociaux. Parce que euh, les petits, aujourd'hui, quand ils font les émeutes, ils mettent tout sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que un petit le petit de la case A, il, il voit que les petits de la case B, ils ont fait un bordel euh, monumental. Bah, ils voudront faire pire. Et la case C, elle voudra faire pire. Et la case D aussi. Et c'est ça qui fait que qu'aujourd'hui, c'est interminable. Mais après, les solutions, je pense elles ont déjà commencé. Hein. Par exemple, les, les tournois interquartiers. Ouais, ouais. moi ça, c'est difficile, les tournois interquartiers. Parce que, dire genre, si tu fais jouer les joueurs de Grigny contre les joueurs de Pyramide, mmh. contre les joueurs de Rissorangi, est-ce qu'ils jouent contre les gens du, non, du bah, Chantier je... du Coq ouais, Ça mais va il, être une sacrée il, bagarre, là. Bah, généralement, bah, pour ça, généralement, c'est les plus grands. Les plus grands, ils, ils ont grandi, ils, ils sont copains entre eux. C'est-à-dire, eux, ils ramènent leur équipe de petits, je ramène mon équipe de petits, je ramène mon équipe de petits. Moi, mes petits, le, la règle, ça va être eh, pas de bagarre aujourd'hui, je vous éclate. Et ils ont tous le même message. Et en fait, le, la bagarre, elle va, elle, va, elle va se. trouver sur le terrain. Sur le terrain, l'équipe qui aura gagné, ben nous, nous on est les plus forts. Mais euh, c'est à travers le sport aussi qu'on peut régler les comptes. Hein. Ouais, c'est-à-dire que. Il y, y a des sports aussi à part le foot y a euh, la boxe. Oui, euh, la, la boxe, c'est un la bon kick échappatoire. Et tout ça. Franchement, la boxe, en... après, ça, c'est un sport individuel, mais c'est. La boxe, quand tu vas, tu sors, tu t'es vide. C'est-à-dire que même un mec qui veut venir se battre avec toi, tu n'as même pas envie. Tu t'es vidé, tu vois. Tu as lâché toute la rage qu'il y avait en toi. Donc, euh, oui, c'est un bon sport pour, euh, pour des jeunes en colère. D'accord. Et euh, moi, j'aurais te poser une question. Une question à 20 000 dollars. C'est. La cité en quelques mots. Pour toi, qu'est-ce que c'est quoi la cité en quelques mots pour toi La cité C'est un endroit il y a des belles choses mais c'est un endroit dont il faut il faut vite, vite sortir parce qu'il peut devenir problématique. Il peut devenir problématique mais après euh, la cité aujourd'hui euh, on montre beaucoup de mauvais côtés mais il y a les bons côtés. Il y a de tout après il faut, faut se construire avec des bonnes valeurs. C'est les valeurs qui font l'homme que tu vas devenir, les rencontres qui font l'homme que tu vas devenir. Et il faut juste rencontrer les bonnes personnes. La cité, elle peut être cruelle pour certains et bénéfique pour d'autres. J'avais oublié, je, je vais te parler d'une un, association qui est c'est Je ne sais pas si tu connais. En fait, c'est les papas qui en qui, ont marre de voir euh, leurs enfants se, se battre. Et euh, ils, sont formés, ils, sont, ils sont réunis en tant qu'une association et ils vont dans les quartiers pour raisonner leur propre fils ou les copains de leur fils et tout ça. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Et non, je ne connais pas. Qu'est-ce que. Là, alors, qu'est-ce que tu en penses de ça, en fait bah, Je ne connais pas. Mais euh, moi, je trouve que c'est bien. Mais après, il faut pousser plus. Mais par exemple, euh, à Grigny, dans un dans une maison de quartier, il y a un responsable, responsable de maison de quartier qui m'a sollicité, il va solliciter des plus grands du quartier pour qu'on échange avec les papas, pour savoir pourquoi leurs enfants ils font telle ou telle bêtise, pour qu'on puisse échanger avec eux. Comme nous, on était les anciens jeunes, comme je dis toujours, hier, c'était nous les jeunes. C'est-à-dire qu'on est en capacité de comprendre ce qu'ils font les jeunes. Et leur expliquer que ce n'est pas à cause de leur éducation. Des fois, c'est... Parce que la rue, elle éduque aussi. Il y a, y a pas, y a pas que la rue à l'éduc donc il euh, y a des c'est bien hein, parce que les parents ils se posent des questions ils se disent qu'est-ce qu'est-ce que j'ai raté en fait tu vois et en fait non des fois c'est c'est même pas eux qu'ils ont raté c'est juste que ils sortent et la fréquentation a fait tout Tu hein. t'as une bonne fréquentation tu peux bien finir t'as une mauvaise fréquentation ben tu peux être le plus mignon du monde tu peux te retrouver euh, enfermé pour euh, des années hein. d'accord mais alors t'en penses quoi de de cette loi qui, vont, qui euh, à chaque fois, euh, pendant les, les débats politiques, ça ressort. Euh, si les enfants sont condamnés pour des peines, les mineurs, on enlève euh, les aides les, euh, les aides aux parents, c'est-à-dire la CAF, euh, tout le tralala, ah, aux parents. Tu penses que c'est une, euh, une, une bonne loi qui, qui vont faire que les jeunes vont arrêter leurs bêtises Non, mmh. ça, c'est une loi pour. Euh... Pour casser les pieds aux gens qui viennent d'en bas, c'est tout. C'est pour donner moins d'argent, c'est pour, euh, pour faire mal aux parents. Hein. Parce que là, là en fait, en faisant ça, ils disent aux parents c'est à cause de vous que votre enfant fait ça, c'est à cause de vous que votre enfant fait ça. Et en réalité, les parents, euh, à un stade, ils sont impuissants. Ils sont impuissants, ils y peuvent rien. Et est-ce que tu as déjà rencontré des, des parents démissionnaires Qu'ils qu ont abandonné? Bah, pire. Ah oui, bah, bien sûr, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ça fait, ça fait de la peine. Hein. Y en ils a ont leurs enfants, ils sont, ils sont déscolarisés ou soit ils ne vont pas à l'école, mais ouais, ils ne ouais. vont même pas répondre aux professeurs. Ils disent oui, bon, voilà, c'est comme ça. ouais il ou... y, a, y, a, y a des. Bah, mais non, tu connais, il y a, y a beaucoup de monoparentalité. Mono, euh, parentalité, parents, ouais. Des, euh... parents qui, euh, des parents seuls, une mère ouais, seule fois, ou un voilà, père seul. Et, et des fois, c'est compliqué. Hein. Tu as, beau... as vu un enfant qui n'a que son père ou que sa mère. Il n'a pas tout. Il a besoin des deux. Et des fois, euh, c'est ingérable. Et tu as une solution pour ça Est-ce que tu crois que la politique des grands frères, c'est-à-dire que genre maintenant, il faut que ce soit un grand du quartier qui viennent éduquer les petits du quartier Ou, je donne une autre solution, parce que comme toi, tu toi es Grigny, mais tu es, es Aubert aussi. Mmh. Est-ce que, comme tu ne viens pas de leur quartier, les jeunes, ils, ont, ils ont déjà essayé de te tester, de te manquer de respect, pour dire, ouais, toi, t'es pas d'ici, vas-y, calme-toi, sinon, on fait, ton on, 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 on fait ta fête, là. Non, bah après, moi, dit, je suis éducateur nomade, c'est-à-dire que j'interviens sur beaucoup de territoires. Là, par exemple, en ce moment, c'est Paris. Non, après, les, les petits, ils me respectent parce que j'arrive à m'adapter à leur code. C'est-à-dire, ils ont un code. J'arrive à m'adapter à leur code. Ils voient que je ne suis pas tout vieux. C'est là qu'ils commencent à me respecter. Mais je suis déjà venu en pince, chemise et tout. Rencontrer une première fois, c'était pas la même chose. Ils me... Le respect n'était pas le même. Ils ont mis du temps pour euh, avant de. Quand ils ont vu que je, je commençais à parler leur langage, je commençais à grossir la voix. Là, ils commencent à à s'adoucir, mais... Et là, vu ton expérience, tu, sais, tu me dis ouais, que tu es Robert Paname, euh, banlieue, tout ça, est-ce que d'un euh, quartier à un autre, les misères sont les mêmes Par exemple, moi j'ai toujours entendu que à Paris, c'est différent que, que chez nous en banlieue. Non, c'est différent. Par exemple, euh, de Paris, 92, 93, 91. Les, les misères, elles ne sont, sont, sont pas pareilles, ce pas les mêmes problématiques. Mais euh, les jeunes, ils s'inventent toujours les mêmes problèmes. Toujours. C'est toujours, euh, toujours la crise, c'est toujours. Euh, ah, il faut que je fasse du bif. C'est ça leur beau. Il faut charbonner. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des plus grands qui leur parlent mal. Tu vois et ces plus grands-là, c'est leur idole. Hein. Malheureusement, c'est leur idole. Et. Et et euh, à un moment donné, il voit que ce grand-là. Alors là, on va finir sur euh, de cette interview sur euh, sur des solutions. Comme dis moi, c'est quoi la recette miracle? Franchement, il n'y a pas de recette miracle. d'un hein. jeune à un autre, ça peut être totalement différent. Tu peux faire goûter euh, la ratatouille ici et du mafé là-bas. La ratatouille, elle peut marcher avec certains et et d'autres, c'est le, le mafé qui va marcher. Donc euh, il n'y a pas de recette euh, miracle, mais euh, la jeunesse, faut pas la négliger. Faut pas Et la je crois nég que le, le chef de l'amitié, il peut marcher partout. Ah, franchement, <laughs> normalement, il marche. Hein. <laughs> ok, ok. Bah, J'étais avec Koumbi sur Didi Cool TV. Aïe, aïe, Koumbi, le grand frère, est avec nous. Aïe. Merci Didi.